Dans la plaine. C'était une sorte de calamité. Il y en avait partout, perchés sur les arbres, sur les barrières. Qu'elles n'avaient guère d'autres richesses que ces enfants aux bouches roses, toujours ouvertes sur leur faim. Alors la piste ne servait en fait qu'aux chasseurs, qui ne faisaient qu'y passer. C'est un diamant! Ça vaut 20 000 piastres! 20 000 piastres! Il me le donnera si je pars avec lui. Où? À la ville. Pour toujours. Pour 3 jours. La mère devait 15 000 francs à la banque. Avant d'acheter la concession, elle avait donné des leçons à 15 francs l'heure. Elle avait travaillé à l'aide chaque soir pendant 10 ans à raison de 40 francs par soir. D'une paire de souliers. Ce qu'elle ne savait pas jusque-là, c'était le prix du diamant. Que je l'ai rencontré. Depuis quelque temps, j'aimais moins le cinéma. J'ai allumé une allumette et je la lui ai tendue. Alors, j'ai vu ses mains et aussi ses yeux, un peu l'intérieur de son corps. J'ai eu très envie de coucher avec elle. Alors, c'était vrai ce qu'elle disait, Carmen? Qu'est-ce qu'elle disait? Que tu as trouvé une femme, mais que tu n'étais pas le même qu'avant. Tu expliqueras, maman. Suzanne, moi je pars. Je ne suis plus un enfant, c'est fini. Et nous, il ne faut pas qu'on vive comme elle, surtout pas. À attendre, à espérer, à construire des barrages qui s'écroulent. Moi je pars parce que j'aime une femme. Quand je suis auprès d'elle, j'oublie tout le reste. Non, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas oublier la mère. Je ne l'oublierai jamais. Ce serait comme si j'oubliais qui je suis. Mais vivre avec elle, ça, je ne peux plus. Tu comprends? Oui, Joseph. Elle va venir me chercher en voiture. Bientôt. Je lui avais demandé 10 jours. 10 jours encore ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que j'avais besoin de le voir tous encore une fois pour en être sûr. Tu n'as rien dit à maman? Ça ne sert à rien. Elle le sait bien que je pars.
Peut-être ce soir. Joseph, déjà ce soir. Tu crois? Peut-être, oui. Écoute, je veux te montrer quelque chose avant de partir. De quoi? Une lettre. Une lettre d'elle aux agents de Cam. Tu ne l'as pas envoyée? Non. Celle-là, je la garde. C'est la dernière. Comme ça, elle n'en écrira plus. Naïa, mette, amica, lette, sama. Je m'excuse de vous écrire encore. Je sais que mes lettres vous ennuient. Comment ne le saurais-je pas? Je n'ai pas eu de réponse de vous depuis déjà des mois. Remarquez d'ailleurs qu'il y a plus d'un mois que j'ai cessé de vous écrire. Les mois suivants, les ventes grossissaient. Grossissait. Outre ceux qui en étaient déjà sortis, il y a ceux qui étaient encore dans le ventre des femmes. Ça continue ainsi, régulièrement. N'avait jamais été engagé à cause de sa surdité, incompatible avec un tel emploi. Mais non seulement il n'avait jamais été engagé, même à l'essai, mais il n'était jamais monté dans un de ces cars qui, grâce à lui pourtant, roulait sur la piste.